Donc, nous allons commencer. Est-ce que, au niveau technique, OK? Vous m'entendez? Vous me voyez? Bien. OK, super. OK, vous avez entendu, je suis aux États-Unis. Je suis à Chicago. J'ai pris un vol cette nuit. J'avais prévenu que je devais faire la conférence à distance aujourd'hui parce que je me rendais aux États-Unis pour un mariage qui s'organisait un peu à la dernière minute, que ça avait déjà été repoussé par la pandémie, mariage de ma famille. Et je suis arrivée sur le sol américain pour apprendre que la mariée a le COVID. Et donc, il est annulé, ce bel événement. Cette pandémie nous aura jusqu'au bout. Je suis ravie de pouvoir partager ce moment avec vous. Vous entendez bien mon accent américain. Et je vais. Ça fait 20 ans que je vis en France. J'habitais en Norvège avant ça. Et je connais le campus de Paris, le campus de Lyon, parce que j'ai travaillé dans les écoles du groupe Cousin, le groupe Compétences et Développement à une époque. Pendant une dizaine d'années, j'ai dirigé des écoles, des groupes de formation privée, le groupe IGS et aussi un autre groupe avant ça. Et donc, c'est un environnement dans lesquelles j'ai cultivé beaucoup de mes idées sur ce que je fais aujourd'hui. Il y a 7 ans, j'ai quitté les postes de directeur, directrice, pour créer une activité où j'accompagne les entreprises sur le sujet de la méditation, mais en allant très loin sur la transformation de leurs organisations. Donc, on commence par le travail sur la conscience des leaders, des dirigeants, sur la formation des managers, et on va jusqu'à comment on transforme le modèle économique et techniquement la transformation digitale. Donc, c'est peut-être un peu unique de commencer par la conscience des personnes et arriver sur le modèle économique. Mais pour moi, tout est lié. Je prône une approche holistique comme celle que vous avez entendue tout à l'heure, qui me parlait beaucoup, l'idée d'essayer d'intégrer différentes dimensions et voir quels sont les besoins, en sachant que les transformations des organisations ne sont pas faciles. Et on est toujours dans une démarche d'innovation et de créativité pour comprendre comment on peut s'adapter à ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc, je vais partager une présentation avec vous. J'avais un petit PowerPoint. Et hop. Pardonnez juste. Est-ce que vous voyez ma présentation? Peut-être pas encore. Ça a l'air d'être en train de charger dans Teams. Et voilà, normalement, vous devez la voir. Est-ce que ça, c'est OK? Vous le voyez bien? Donc, le titre que j'avais, c'est OK? Super, merci. Donc, le titre que j'avais donné, c'était le Punk Mindfulness. Le punk mindfulness, c'est l'idée, en fait, qu'on s'approprie son attention. On parle souvent du bien-être quand on parle de la pleine conscience. On parle du stress, on parle de l'anxiété, de la dépression et comment on pourrait pratiquer la méditation de pleine conscience pour agir sur ces effets de nos vies quotidiennes. Et j'ai une invitation aujourd'hui, une autre raison
raisons de méditer que j'aimerais vous inviter à explorer. Et ce serait l'idée, en fait, d'avoir plus d'attention pour notre attention. Et je vais parler d'un point. Est-ce que j'ai des méditants dans la salle? Est-ce que si vous levez la main ou vous m'indiquez sur ce que... Qu'est-ce que j'ai? Je vois une main, deux mains. OK, une troisième personne, quatrième. OK. OK, donc il y a quelques personnes qui ont expérimenté la méditation. Et si vous ne l'avez jamais expérimenté, vous êtes vraiment au bon endroit parce que on va faire une initiation aujourd'hui. Donc l'idée, en fait, que je vous invite à explorer, c'est de voir, en fait, comment... On a très peu de temps ensemble, mais je voulais plonger dans l'idée que la pleine conscience, on pourrait la pratiquer aussi comme une posture d'interaction avec notre quotidien, comme une façon de se réapproprier son attention, son espace, son corps, sa réflexion, que ce ne soit pas uniquement une façon juste de décharger, de dire... En fait, j'ai endossé ce quotidien et d'un coup, en fait, j'essaie d'aérer un peu, pouvait y avoir d'autres façons de voir les choses. Et ce concept de punk mindfulness, j'avais écrit une approche d'initiation sur le sujet. Vous voyez en fait mes activités là. Je fais la méditation en entreprise, comme je vous ai dit. Je le fais aussi en prison et auprès de personnes qui sont bénéficiaires de notre système social en France, ainsi que les assistants sociaux. Donc, je travaille avec une association que j'ai cofondée il y a 5 ans et on est sur cette idée d'accompagner l'écosystème du social. Je suis la voix anglaise de l'application Petit Bambou et j'écris. En ce moment, j'écris sur la méditation en lien avec la confiance et ça va sortir l'année prochaine. Donc, moi, je voulais partager quelque chose avec vous. Cette idée, on en voit tout le temps, on est toujours en train de parler du fait que le consommateur digital est bien présent, en fait, qu'il veut tout à tout moment. Dans nos écoles de commerce, on étudie ce consommateur et ses habitudes et on travaille sur les modèles économiques disruptifs. Et on travaille beaucoup là-dessus aussi sur notre quotidien. On regarde les applications, on a l'utilisation de nos smartphones. À un moment, je me suis dit, j'aimerais bien regarder exactement quelle est l'utilisation d'Internet et des smartphones. Parce que je me suis rendu compte que on n'est pas très clair nécessairement sur le temps qu'on est en train de consacrer à nos devices. Et ce que j'ai vu, c'est qu'on consacrait beaucoup plus de temps qu'on imaginait. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait 4,8 milliards de personnes qui utilisent Internet. Ça fait 60% de la population mondiale. Le nombre est en croissance constante avec plus de 700 000 nouveaux utilisateurs par jour. Il y a 57% de la population mondiale qui utilise les réseaux sociaux avec une croissance de 13% dans les derniers 12 mois. Il y a 2 tiers de la population mondiale qui possède un téléphone mobile et 80% de ces téléphones sont des smartphones. Donc, on peut dire qu'on est bien dans un monde très connecté. Connecté d'une certaine façon et parfois pas d'autre. Connecté à nos smartphones. Nous consultons nos téléphones portables. Je suis allée chercher ça. 150 fois par jour en moyenne. Un utilisateur en moyenne touche son téléphone 2617 fois par jour. Il y a 66% de notre population qui montre les symptômes de nomophobie, qui est la peur de ne pas avoir son téléphone, qui est un signe d'addiction. Et il y a 71% de la population qui dorment avec leur téléphone. 80% des utilisateurs des smartphones regardent leur appareil dans l'heure qui suit le réveil. Et la grande majorité de ces personnes, 80% de ces personnes,
Regarde le téléphone dans les premières 5 minutes après le réveil. Donc, cette utilisation croissante de nos téléphones évoque une réflexion. C'est est-ce que c'était notre choix? On adore les téléphones, c'est notre objet préféré, chéri, comme notre doudou. On est très heureux qu'il a pris autant de place dans notre vie. Est-ce que c'est à ça que cette croissance correspond ou est-ce que c'est autre chose? Comment est-ce que cet objet et cette façon de l'utiliser est rentré jusque dans notre réveil le matin? Et comment, qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait que vous manipulez 2600 fois par jour? Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire qui est sur Netflix en ce moment, qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée. Et c'est un documentaire à regarder si le sujet vous intéresse. C'est des personnes qui ont créé la technologie que nous utilisons. Il y a des personnes qui ont créé, par exemple, la fonction de aimer sur Facebook. En fait, le fait de mettre ce thumbs up en fait, qu'on est en train de faire même dans Teams, il a inventé ce geste qui fait partie de notre quotidien. Et des personnes en fait, qui ont inventé en fait, le geste en fait, de tirer vers le bas pour rafraîchir la page. Des personnes qui ont créé cet univers dans lequel nous naviguons quand nous sommes sur notre téléphone. Et dans le documentaire, ils parlent du fait qu'ils utilisent une connaissance très, très étendue de votre comportement et aussi l'intelligence artificielle, bien sûr. Mais c'est intéressant de voir la croissance de cette intelligence artificielle grâce à votre utilisation et tout cela afin de vous encourager à utiliser leur site et de rester de plus en plus longtemps sur votre téléphone et je pense qu'ils sont en train de réussir si on regarde les statistiques. J'ai trouvé très parlant cette petite phrase que j'ai entendue dans le documentaire. Il ne suffit pas que vous utilisiez le produit consciemment. Je veux creuser plus profondément dans le tronc cérébral et implanter à l'intérieur de vous une habitude inconsciente afin que vous soyez programmé à un niveau plus profond. Donc ça, de la part d'un des développeurs qui ont travaillé sur ces technologies. J'ai vu aussi une étude qui avait montré qu'on avait perdu 25% de notre capacité attentionnelle. Vous qui travaillez dans le monde de la formation, de l'éducation, ces mouvements de fond sont en train de vous affecter tous les jours dans votre salle de cours et à l'extérieur. Vos étudiants doivent vivre avec cette tendance croissante. Donc ça, en fait, quand je parle de la méditation de pleine conscience, j'attire l'attention sur ça, pas nécessairement le bien-être, en fait, de se déstresser, c'est prendre conscience de où va votre attention. Parce que la méditation de pleine conscience, dans sa base la plus fondamentale, est un entraînement de l'attention. C'est où est-ce que, c'est, je vais porter de l'attention à où va mon attention. Et moi, j'ai une croyance, je sais que ce n'est qu'une croyance, mais je le partage avec vous, qu'une des raisons pour lesquelles nous n'arrivons pas à faire les transformations que nous aimerions faire, c'est qu'on n'arrive pas on n'est pas maître notre attention. Cette attention, c'est un pouvoir. Et quand on la porte à quelque chose, cette chose, on peut le travailler. Cette chose, on peut lui apporter une valeur, on peut le cultiver dans le sens de ce que nous souhaitons, dans la direction qui nous correspond. Si on ne maîtrise pas notre attention, elle est à quelqu'un d'autre. Elle est utilisée pour construire le monde des autres et pas nécessairement ce qui était à partir de notre intention. Donc, je vous invite à cette réflexion, où va mon attention dans la journée? Il y a une étude qui montre que 47% du temps, donc presque la moitié du temps, vous ne pensez pas à ce que vous faites. Donc, ça veut dire, voilà, je suis en train de faire quelque chose et je pense à autre chose.
Je ne suis pas dans le moment présent. Je suis soit en train d'anticiper quelque chose qui va arriver dans le futur, soit je suis en train de ruminer ou de revenir sur quelque chose qui n'est plus. Mais peu du temps, je suis dans le moment présent, qui est en réalité le seul moment dans lequel je peux agir. Je vis dans des mondes la moitié du temps imaginaires, intéressants pour faire des analyses, mais je ne sais pas si la moitié du temps, nous sommes en train de vraiment faire des analyses créatives ou constructives. Je pense que beaucoup du temps, on est en train de s'inquiéter, on est en train de ruminer sur des choses sur lesquelles on n'a plus de pouvoir. Donc, je vous invite à voir si je prenais même quelques pourcentages, quelques points de pourcentage de plus de mon attention pour les diriger vers ce qui a du sens pour moi, qu'est-ce que ça changerait dans ma vie, dans nos équipes, dans nos organisations, si on était plus conscient de notre attention et on était capable de les diriger plus consciemment vers ce qui a du sens pour nous. Et on a beaucoup d'habitudes, en fait, les téléphones sont partout dans nos salles de cours. En fait, on est connecté parfois à plusieurs devices. Comment est-ce qu'on fait pour utiliser la technologie pour ce qui nous aide et puis ne pas être happé par des choses qui ne nous intéressent pas. Alors voilà, toutes les études sur l'attention. Là, en fait, je voulais rapidement parler de qu'est-ce que c'est la pleine conscience. C'est un état de conscience qui émerge quand je pose mon attention sur le moment présent, consciemment et sans jugement. Le moment présent est en mouvement. Ça veut dire que là, c'était le moment présent, mais maintenant, ce moment dont je viens de parler, c'est parti dans le passé. Et le moment présent, c'est ce moment-là. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu compliqué pour nous, c'est que c'est comme une rivière, c'est comme un cours de quelque chose, en fait. Notre attention doit s'entraîner à rester à l'intérieur. C'est très facile de se faire porter par le courant et rester dans le passé et le présent continue. Donc, le travail, en fait, c'est comme un travail de conducteur, c'est comment je reste sur la route sur laquelle je suis. Et en fait, focaliser sur ce qui est là autour de moi, sur l'expérience que je suis en train d'avoir là à l'instant. Alors, il y a deux pratiques que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et je voulais j'aime bien les présenter comme ça parce que souvent, on me dit des choses comme moi, je ne peux pas méditer parce que j'ai la tête trop chargée. Je ne peux pas me vider l'esprit. Ça, c'est une phrase que j'entends souvent. C'est trop dur pour moi que je me pose, en fait. C'est dur, en fait. C'est même parfois, en fait, de la souffrance de voir toutes ces choses que nous avons dans la tête. Et je partage ce process de la méditation, de pleine conscience avec vous pour vous montrer à quoi ça ressemble. Première étape de cette méditation, vous allez poser votre attention sur la respiration. Alors, la respiration, pourquoi on pourrait le poser sur autre chose? Vous pourrez le poser sur le bruit dans la salle ou sur, voilà, vous pourrez le poser sur la flamme d'une bougie. Mais on a besoin d'un support pour notre attention, pour l'entraîner. La respiration, c'est un bon support parce qu'en général, on l'a avec nous. Donc, on n'a pas besoin d'un truc un truc de plus pour pouvoir pratiquer. Donc, on suit la respiration. Pose l'attention tout simplement sur cette respiration. Qu'est-ce qui se passe? OK, c'est un mouvement. Il y a les poumons qui se gonflent, qui se remplissent d'air, qui se dégonflent. Il y a le passage de l'air dans le système. Et moi, tout simplement, je suis ce mouvement. C'est comme une petite valse, comme ça. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être distraite. Il va y avoir quelque chose qui arrive par là et je vais dire, j'ai pas terminé ce dossier, j'ai oublié d'appeler un tel, j'ai faim, j'ai un peu mal au dos, je devrais m'occuper de ça. Et en fait, il va y avoir des distractions qui arrivent. C'est la deuxième étape dans le process. Troisième étape, je remarque que je ne pense plus à ma respiration, je pense à ce que je vais manger. Quatrième étape,
Je récupère mon attention tout simplement et je le replace sur ma respiration ou sur mon autre support d'attention. Donc ça, c'est un cycle. Et la méditation de pleine conscience, c'est le fait de faire ce cycle autant de fois qu'on doit pendant le temps qu'on a décidé de méditer. Donc si on a dit on va méditer pendant 2 minutes, peut-être je vais faire ça 15 fois ou 3 fois. Ça dépend de l'entraînement. Si je décide de le faire pendant 10 minutes ou 1 heure, c'est toujours ce cycle, en fait, la pratique de base. À chaque fois que je fais un cycle, c'est comme si j'allais dans une salle de fitness et je prenais une haltère et je faisais un mouvement. En fait, je muscle l'attention et réellement, si on regarde le cerveau, il y a des connexions neuronales qui se créent entre différentes parties de mon cerveau quand je fais ce cycle. Et quand je le fais, au début, c'est comme j'y vais avec une machette dans la jungle. Et après, en fait, quand je pratique, le réseau neuronal devient de plus en plus renforcé et ça devient des autoroutes. Donc, c'est ce qui se passe biologiquement, physiologiquement, quand vous méditez. Est-ce que ça vous dit d'essayer? C'est OK. Oui? OK. Alors, je vous invite à placer les pieds sur le sol. Et souvenez-vous, vous êtes en train de faire quelque chose de vraiment punk. Vous reprenez la main sur votre attention. Juste pendant 2 minutes. Vous pouvez poser les pieds sur le sol. Essayez de voir, en fait, souvent la posture montre où on est un peu dans le temps. Quand on est très pressé, on se penche vers l'avant. Quand on est en train de ruminer, on se met en arrière. Essayez de trouver déjà, en fait, est-ce qu'on peut se mettre droite? Parfois, en fait, c'est même un peu inconfortable de faire ça. Comme on est beaucoup devant les écrans, on devient comme des petites tortues qui se roulent vers l'avant comme ça, les pieds qui... pardon, la tête, en fait, qui sort comme ça. Je vous invite à replacer le crâne au-dessus de la colonne vertébrale. Vous pouvez même appuyer sur le menton pour sentir une petite tension à la base de la nuque. Vous pouvez poser les mains sur les genoux et je vous invite, si vous voulez bien, à fermer les yeux. Si jamais vous ne le sentez pas de fermer les yeux, vous projetez le regard 1 mètre devant vous, tout simplement. Et je vais vous guider. Ça va être très court, ne vous inquiétez pas. Je vais juste vous guider pendant quelques instants dans ce temps de méditation. Déjà, je peux porter l'attention sur la respiration. Je sens l'air qui rentre à l'intérieur et l'air qui ressort. Je peux faire un petit check-in. Comme ça, comme dans un moment où je me demande comment est-ce que je vais là à l'instant? Comment est-ce que je me sens? Est-ce que je suis curieuse? Est-ce que je suis agitée? Est-ce que j'ai des douleurs ou je suis inquiète peut-être pour quelque chose? Je fais un petit check-in sur mon émotion. Et puis, je vous invite à suivre la respiration. Et vous suivez les 4 étapes. Première chose, je sens l'air qui rentre et l'air qui ressort. Et puis, quand je suis distrait ou distraite, je le remarque. Et avec beaucoup de bienveillance, je récupère l'attention, comme on ferait avec un petit enfant qui est sorti d'un chemin et qui se rapproche de quelque chose d'autre. On le ramène avec bienveillance sur son chemin. Et on revient sur la respiration. Donc, je vous invite à suivre la respiration. Vous pouvez sentir la respiration au niveau du nez, l'air qui rentre par le nez, qui est l'air qui ressort.
pouvez poser l'attention aussi sur la gorge, l'air qui passe à travers la gorge. Vous pouvez sentir l'air qui rentre à l'intérieur de la poitrine aussi, qui remplit les poumons et qui ressort. Et puis pendant quelques instants, je peux observer ces différents niveaux dans un ensemble. Le corps qui bouge à chaque fois que je respire. La sensation de l'air qui rentre et qui ressort. Et mes pensées qui viennent des fois, qui viennent me distraire. Dès que je le remarque, je récupère mon attention. Et pendant quelques instants, il n'y a rien à réussir. Il n'y a rien à obtenir. C'est très différent de mon quotidien normal, dans lequel j'essaie d'accomplir beaucoup de choses. Donc je me débranche pendant quelques instants. Et je respire. Et maintenant, je vais vous guider dans une deuxième pratique. Vous pouvez rester connecté à votre respiration. Je vais vous inviter à poser l'attention encore une fois sur vous-même, sur votre émotion. Comment est-ce que je vais? Je vais m'envoyer une belle émotion, quelque chose que j'ai envie de ressentir. Je vais m'envoyer un souhait d'aller bien. Je vais m'offrir pendant quelques instants de la bienveillance. Je me souhaite d'aller bien. Je me souhaite d'être heureux, heureuse. Je me souhaite de vivre des moments de paix, de me sentir bien dans ma vie. Puis je vais penser à une deuxième personne, quelqu'un qui est proche, une personne pour laquelle j'ai des sentiments faciles, un amour facile. Je les aime sans histoire. Je les aime beaucoup. Il n'y a pas trop de tension. Je pense à cette personne et je peux sentir et me connecter à cette belle relation. Et je peux aussi souhaiter à cette personne, prenez leur visage dans votre esprit et vous pouvez leur envoyer une belle émotion. Je te souhaite d'aller bien dans ta vie. Je te souhaite d'être heureux ou heureuse dans ta vie. Je te souhaite d'être en paix, de te sentir bien avec les personnes autour de toi. Laissez ce sentiment de bien-être à deux infuser dans le corps. Et puis maintenant, je vous invite à prendre une troisième personne à l'esprit. Une personne que vous ne connaissez pas très bien, quelqu'un de neutre. Peut-être quelqu'un que vous voyez de temps en temps, un voisin, un collègue, mais peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas beaucoup. Puis je vous invite à prendre cette personne plutôt neutre, vous n'avez pas, vous ne connaissez pas très bien, vous n'avez pas d'émotions fortes quand vous pensez à cette personne. Plutôt agréable, mais sans nécessairement plus d'engagement. Je vous invite à prendre le visage de cette personne à l'esprit et puis pratiquer encore. Je vous souhaite d'aller bien dans votre vie. Je souhaite à cette personne d'être en paix.
Et je souhaite à cette personne de se sentir bien avec les personnes autour d'elle, bien dans sa vie. Et puis, je vais pratiquer encore une fois avec une quatrième personne, une personne avec laquelle je suis plutôt en conflit. Quelqu'un où j'ai peut-être un différend qui est en cours. Et je vais prendre le visage de cette personne à l'esprit. Et en m'appuyant sur la base de notre humanité commune, je vais souhaiter aussi à cette personne d'aller bien. Et je te souhaite d'aller bien dans ta vie, de te sentir bien, d'être heureux, d'être en paix. Te sentir bien dans tes relations. Et je respire. Et je vais faire une dernière connexion dans cet exercice. Je vais penser à un groupe plus grand. Je peux penser au groupe IGS, par exemple. Toutes les personnes qui sont à l'intérieur, tous les élèves et les étudiants, tous les collègues sur tous les campus. Toutes les personnes qui sont dans les entreprises qui prennent les étudiants en stage, les intervenants. Et je prends tout ce groupe à l'intérieur de mon esprit et je leur souhaite d'aller bien, de se sentir bien dans leur vie, d'être dans un mouvement vers de la paix, de l'harmonie, de la sérénité. Je souhaite à tout le groupe d'aller bien dans ses relations les uns avec les autres. Je vais vous laisser juste quelques instants en silence. Vous pouvez respirer. Je peux porter l'attention au corps, de la tête aux pieds, comment va le corps là un instant. Ce corps qui encaisse souvent, là je lui donne de l'attention, de la belle attention, focalisée, forte, une belle lumière d'attention qui se dirige vers le corps, bienveillante, sans jugement. Comment va le corps? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a des douleurs, peut-être des choses dont je devrais m'occuper plus tard? Mais je l'écoute. Et petit à petit, je vais vous inviter à émerger de ce temps de méditation. Et vous pouvez ouvrir les yeux et écouter votre corps. Qu'est-ce que votre corps a envie de faire? Parfois, il a envie de s'étirer. Ce sont des mouvements qui sont présents. Vous pouvez bouger les pieds, le dos, les épaules. Et si vous êtes d'accord, on peut prendre encore 5 minutes pour partager qu'est-ce qui est présent pour vous en écoutant ces réflexions et en faisant cette pratique. Qu'est-ce que vous avez envie d'amener avec vous vers votre quotidien en étant un peu plus punk avec son attention? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager? Si vous êtes à distance, vous pouvez aussi utiliser le chat. C'était comment de pratiquer comme ça?
Alors, oui, les micros sont coupés, donc vous pouvez les rallumer. Quels sont les mots qui viennent? Très agréable. Agréable. Oui. Dirais pas agréable, je dirais surprenant. OK. Apaisant. Est-ce que je peux demander ce qui était surprenant? Je sais pas, cette sensation, un peu, c'est la première fois. OK. C'est bizarre. OK. La découverte. Mais je sais pas, non, je sais pas, je sais pas. Je sais pas OK. ce qui se passe. Merci pour le partage. Désolée d'en dire pas plus, mais. Non, c'est voilà, ça peut faire bizarre, en effet. Ça fait partie des sensations qu'on peut avoir. Il y a reposant. Détente sportive. Il y a dépense sportive. Détente sportive. Détente sportive. OK. Il y a détente. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont senti des douleurs, des tensions qui étaient présentes? Parfois, en fait, quand on porte l'attention sur le corps, il y a un peu de choses qui émergent. Si on avait des tensions, en fait, on va les voir. Et ça permet de s'étirer ou de faire ce dont on a besoin, hein, pour le corps. D'autres partages? Merci, en tout cas, nous, on est plusieurs, vous ne voyez pas la salle à Toulouse, mais on est plusieurs présents. Et en fait, on est très apaisés. Merci. Apaisé. Merci à longtemps. Okay. Merci beaucoup pour votre participation. Et je vous invite à penser à être plus punk dans votre façon de diriger votre attention et choisir plus Merci. dans votre quotidien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. 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 Merci beaucoup.